all that. C'était plus qu'un symbole. Nous étions ses créateurs. Il est vrai que cette exploration du système solaire par Voyager, c'était une grande première. Nous avons eu la chance inouïe de pouvoir réaliser ce rêve. 50 ans, on prendra conscience que Voyager a été le grand projet scientifique du XXe siècle, la grande mission. On n'avait pas encore pris la mesure de l'immensité de l'univers, et Voyager nous a ouvert les yeux. Üdvözlet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. C'est une expérience rare d'avoir pu lancer notre sonde par cette toute petite fenêtre spatiale et temporelle. C'est incroyable d'avoir réussi à le faire. 太空朋友, 您好, 您吃饱未? 有闲就来我们家坐哦。 On a créé un vaisseau intelligent qu'on a propulsé dans l'espace. À très long terme, ces sondes seront peut-être la seule trace de notre existence. Quand on travaille sur un tel projet, on le fait avec le plus grand respect. Tout ce qu'on croyait savoir s'est retrouvé ébranlé. On pensait être dans un univers et soudain, on était dans un autre, complètement différent. Lorsqu'on a annoncé récemment que Voyager 1 avait pénétré dans l'espace interstellaire, c'était un peu comme si l'humanité était devenue une espèce interstellaire, comme si l'éternité lui avait ouvert ses portes. Voyager se trouve de l'autre côté du système solaire, à des milliards de kilomètres de tout autre objet fabriqué par l'homme. Imaginez un peu la distance parcourue par Voyager et le temps passé à la parcourir. Et ce n'est pas fini. Voyager a réussi un exploit qui paraissait insensé. Chaque seconde qui passe, ces vaisseaux explorent un endroit où nous n'étions jamais allés. Ils sont sur une trajectoire sans retour. Ils vont continuer à avancer dans l'immensité infinie. Voyager, c'est une mission d'une audace incroyable. Qui aurait pu imaginer qu'on arriverait à faire ça en 1977? On avait quelques connaissances grâce aux observations au télescope. C'était fou. Qu'est-ce qu'on savait en fait? Que ces planètes étaient toutes des géantes gazeuses, constituées pour la plupart d'hydrogène et d'hélium, avec un peu de méthane. On savait qu'il y avait des vents sur Jupiter. On connaissait la grande tache rouge. On savait aussi qu'il y avait un rayonnement emprisonné, donc un champ magnétique. On savait que Jupiter avait quatre lunes. Io, Europe, Ganymède et Callisto. C'est ce qui avait convaincu Galilée que Copernic avait raison et que le Soleil était au centre du système. On savait que les planètes extérieures avaient des satellites parce qu'on les voyait tourner. Mais tout le monde pensait que ce n'était que des boules de glace cabossées, un peu comme sur les hauts plateaux de la Lune, criblées de cratères d'impact.
Et cette idée était tellement répandue qu'on n'a même pas pensé à intégrer des géologues à la mission Voyager. De Saturne, on connaissait les anneaux et les principaux satellites, mais pas grand-chose de plus. Et tout ça était assez flou. Personne ne s'était approché de ces planètes extérieures. La mission Pioneer était passée non loin de Jupiter et Saturne, mais c'était avec des caméras très rudimentaires, on n'avait pas beaucoup d'images, et l'instrumentation n'était pas très développée. Les missions Pioneer avaient servi avant tout à voir si des vaisseaux pouvaient passer sans dommage la ceinture d'astéroïdes. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait absolument pas à cette époque. Et cela vaut aussi pour Uranus et Neptune qui sont très éloignés. J'avais scruté ces planètes avec les télescopes les plus performants au monde, sans voir autre chose que des taches un peu floues. Au télescope, Uranus n'était qu'un petit point bleu-vert et Neptune un point bleuté encore plus petit. C'était tout. Les astronomes s'étaient donné beaucoup de mal pour connaître leur composition physique, leurs caractéristiques de base. Mais sur leur vraie nature, leur climat, la distribution de la masse à l'intérieur, de quoi elles étaient vraiment constituées, à quoi ressemblait leur lune, on savait très peu de choses. On ne peut pas tout apprendre par la seule observation au télescope. Il y a la théorie, et puis il y a ce qu'on ne sait pas, et qu'on cherche à savoir. Nous, les êtres humains, avons cette particularité de toujours chercher à savoir ce qu'il y a au bout du chemin. C'est comme un besoin inné propre à notre espèce. Ce désir d'exploration nous donne un avantage sur les autres espèces. Nous essayons toujours d'améliorer notre condition. Et je crois que nous sentons que notre survie dépendra de notre capacité à vivre dans d'autres mondes. C'est très humain de se poser des questions. Les enfants demandent toujours pourquoi. Et certains d'entre nous ne grandissent jamais. C'est l'assistance gravitationnelle qui a rendu cette mission possible. Quand le vaisseau passe à proximité de Jupiter, il prend un peu de la vitesse orbitale de la planète. Ça fait comme un ricochet direction Saturne. Il faut donc s'assurer que Saturne soit au bon endroit. On a bénéficié d'un alignement parfait. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, tout aligné. Jupiter, boum. Saturne, boum. Uranus, boum. Neptune, boum. Il fallait un alignement exceptionnel des planètes pour que le vaisseau spatial passe de l'une à l'autre. Et cet alignement se produit rarement. Ça n'arrive que tous les 100 ans, même plus de 100 ans. Environ 175 ans. Tous les 176 ans. La dernière fois que ça s'était produit, c'était du temps de la navigation à voile. Au départ, ça s'appelait le Grand Tour des planètes extérieures. Et cette mission coûtait en gros 1 milliard de dollars de trop. L'administrateur de la NASA est allé trouver le président Nixon et lui a dit « La dernière fois que les planètes étaient correctement alignées, le président Jefferson était assis à votre place et il a laissé passer sa chance. » Monsieur Nixon a ri et il a dit « D'accord pour deux planètes. » Soit, ça coûterait forcément moins cher. Mais on savait bien que le lancement étant prévu pour 1977, ce serait bien après le second mandat de M. Nixon. Et d'ailleurs, il est même parti avant la fin initialement prévue. Le projet Voyager a démarré en juillet 1972 avec 11 différentes équipes scientifiques. Et l'objectif était qu'une des deux sondes parvienne à dépasser Saturne. Mais on savait tous d'emblée qu'on ferait notre possible pour étendre la mission à Uranus et Neptune. On a donc choisi nos trajectoires avec un point d'appui aux abords de Saturne, qui nous donnerait un coup d'accélérateur pour aller vers Uranus. Et ça dès le départ. On voulait prévoir cette possibilité au cas où l'occasion se présenterait. Thank you.
On ne voulait pas que la conception même du vaisseau soit une entrave pour aller au-delà. C'était une mission à double fond. Le disque doré était en quelque sorte le cœur battant du vaisseau. Son objectif, c'était l'exploration scientifique, mais le disque, c'était son âme. Je me souviens du battage médiatique autour des missions Pioneer 10 et 11. Ce dessin au crayon qui représentait la silhouette d'un homme et d'une femme nue. Les gens s'étaient indignés. Et pourtant, c'était un dessin bien innocent. Pour moi, c'était une excellente idée. Would you expect someone to find this record out there? Is there something out there? Well, nobody knows. One of the great unsolved questions is whether we're alone or whether... Carl Sagan has become... Carl Sagan est devenu le scientifique américain le plus célèbre de la fin du XXe siècle. Il a joué un rôle très important dans de nombreuses missions de la NASA en direction des planètes, dont celle de Voyager, où il faisait partie de l'équipe imagerie scientifique. Mais c'est aussi l'astronome qui a le plus contribué à la crédibilité de l'étude de la vie extraterrestre. If they be not inhabited, what a waste of space. Carl Sagan was a good friend. Carl Sagan était un très bon ami. Je l'ai appelé pour lui demander s'il voulait bien imaginer ce qu'on pourrait embarquer sur la sonde. Il a accepté sans hésiter. Il m'a proposé de le faire pour $25,000, alors je lui ai donné le feu vert, et à partir de là, il a fait ce qu'il a voulu. C'est lui qui a tout fait avec son équipe. Ils se sont dit que l'occasion était trop belle et que quitte à lancer une bouteille à la mer, autant y glisser un message, en l'occurrence des témoignages de notre existence. Carl voulait faire une simple plaque métallique, mais un peu plus complète que celle des vaisseaux pionniers. Mais c'est Frank Drake qui a eu l'idée du disque micro-sillon pour un poids et un encombrement identiques. Frank est un homme très brillant, mélange de Einstein et de Thomas Edison, grand théoricien de la physique, mais aussi quelqu'un de très concret, capable de résoudre toutes sortes de problèmes pratiques. Les scientifiques qui ont monté la mission Voyager sont toujours un peu jaloux que le public ait surtout retenu le disque doré, au lieu de leurs exploits autour des planètes extérieures du système solaire. C'est le disque qui a frappé les esprits. Parce qu'il renvoie à la question de la vie extraterrestre, et que tout ce qui parle d'établir un contact avec des extraterrestres est bien plus fascinant que de connaître la composition chimique de tel ou tel minéral sur Mars. Ce disque ressemble à un vieux 33 tours. La seule différence, c'est qu'il est en métal pour durer plus longtemps. Il était enregistré deux fois plus lentement, ce qui nous donnait 2 heures. 1 heure et demie était consacrée à de la musique, et la demi-heure restante contient tous les autres sons. Des bruits de la nature sur Terre, des messages de salutation et des photos encodées de la Terre. On nous a souvent demandé, comment vont-ils pouvoir écouter ce disque ? Mais justement, on a joint le matériel pour le lire. Une tête de lecture avec un saphir, et sur la couverture du disque, un dessin montrant la façon dont le saphir doit reposer sur le disque. Peut-être que ces schémas leur sembleront du niveau d'un gribouillage de maternelle. Mais ils devraient comprendre, s'ils ont la tête bien faite, si tant est qu'ils aient une tête. Voyager a été lancé l'année du centenaire de l'invention du phonographe par Edison. C'est donc tout naturellement qu'on a choisi le disque comme support. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le protéger de la poussière et des petites particules au cours du voyage, ils ont pensé à le couvrir. Et sur le couvercle, ils ont gravé la position de la Terre dans notre système solaire et sa position par rapport à différents pulsars. Beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi leur dire où on se trouve. On ne sait pas qui ils sont. Ils pourraient nous attaquer, nous manger, nous réduire en esclavage ou nous détruire. S'ils trouvent ce disque, c'est qu'ils sont techniquement plus avancés. Pourquoi vous faites ça? Ceux qui le trouveront se demanderont même pourquoi on s'expose ainsi à leur soif de conquête.
et se dire qu'on doit être sacrément altruiste. Il y a peu de chances que des intelligences supérieures se disent « Tiens, tiens, un objet magnétique vient vers nous. Allons voir quel est le mystérieux message contenu dans cette bouteille. N'est-ce pas un scénario invraisemblable ?» C'est toujours la même question. Est-ce qu'il y a du monde là-bas ? Disons qu'il y a plus ou moins 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée et environ 200 milliards de galaxies dans l'univers, ou du moins dans l'univers tel que nous le connaissons. C'est un bien petit vaisseau pour un si grand univers. Si vous observez un bout du ciel par le trou d'une paille, disons, en direction de la Grande Ourse, dans ce tout petit espace qu'on pensait vide, il y a des milliers de galaxies. Et chacune d'entre elles est remplie de milliards d'étoiles. Rien que dans ce petit trou. Alors, imaginez le ciel rempli de mille fois mille galaxies, chacune remplie de milliards et de milliards d'étoiles. Ça fait beaucoup de possibilités. Si vous prenez un grain de sable et que vous le posez sur une table pour figurer le Soleil, la Terre serait à environ 2,5 cm et elle serait microscopique. La totalité du système solaire tiendrait sur une table de 2 mètres de large. Mais si vous deviez ensuite placer l'étoile voisine, figurée par un autre grain de sable, à combien de distance de notre système faudrait-il la placer? La réponse est à 12 km. C'est fou la quantité d'espace vide qu'il y a entre les étoiles et entre les planètes. Les distances sont impressionnantes. Ces vaisseaux sont les plus rapides jamais construits et lancés dans l'espace. Ils avancent à 16 km par seconde. Vous ne les verriez même pas passer. Et malgré ces vitesses considérables pour nos standards terrestres, il leur faut des décennies et des décennies pour arriver aux confins du système solaire. Franchir la ceinture d'astéroïdes, ce n'est pas un problème. Et pourtant, au départ, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait de gros risques de collision. Alors qu'en fait, c'est très peu probable. Il y a beaucoup de place là-haut. Notre voisine Andromède, par exemple, se trouve à 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Elle se trouve sur une même trajectoire de collision, mais pas avant 5 milliards d'années. On pourrait craindre cette collision. Mais il faut savoir que l'espace, c'est essentiellement de l'espace vide. Et quand nos deux galaxies vont entrer en collision, il y a peu de risques qu'une étoile en touche une autre. Voyager va donc sans doute poursuivre son périple à travers notre galaxie, pendant potentiellement des millions, voire des milliards d'années, sans entrer en collision. J'ai beaucoup de mal avec les grandes échelles géologiques. Comment savoir ce que représentent des dizaines de millions d'années? Pareil pour les distances astronomiques. Quand on commence à se situer dans des échelles astronomiques, notre système solaire est vraiment tout petit. Et on se rend compte que toute cette aventure Voyager, ce petit vaisseau qui part à l'assaut des planètes géantes si lointaines, ce n'est en fait qu'une exploration de notre voisinage immédiat. Les deux vaisseaux ont été construits dans le Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche fédéral qui fait partie de l'Institut de technologie de Californie. Ce que j'admire le plus chez les ingénieurs qui ont mis au point Voyager, c'est qu'ils ont absolument tout envisagé, même le plus improbable. Ce sont vraiment des gens qu'on a tout intérêt à emmener quand on part en camping. Ils anticipent tous les problèmes possibles et imaginables. Et s'il y a tel insecte, et si les tentes prennent l'eau, et si on n'a plus de gaz, et si on n'arrive pas à allumer le feu. Quand on envoie un vaisseau dans l'espace, il n'y a pas de dépanneuse, pas moyen de le rapatrier. Il vaut mieux avoir tout envisagé, ou alors c'est la fin du voyage. Les projets de ce type commencent tous par une phase de mise à plat. Qu'est-ce qui est vraiment faisable?
On ne savait pas à quoi le vaisseau allait ressembler. On se demandait plutôt comment on allait l'organiser. Par exemple, où placer le système de communication, cette antenne fixe d'un diamètre de 3,66 m, par rapport au système de propulsion. Ce vaisseau, c'est devenu un peu comme un enfant, et nos équipes de concepteurs étaient comme ses parents. C'était un vrai processus de gestation. Il s'agissait de hisser cet enfant jusque dans le monde réel. Tous les vaisseaux spatiaux sont faits de silicium et d'aluminium à 95%. À l'état brut, ça ne coûte pas si cher. Mais fabriquer des objets avec, c'est autre chose. C'est un vaisseau assez rudimentaire comparé aux standards actuels. On a 3 ordinateurs à bord, dont la mémoire totale est 240 000 fois inférieure à celle de votre smartphone. Entre 1972 et 1977, on était en pleine réduction des budgets de la recherche spatiale. À cette époque, les ordinateurs les plus performants étaient comparables à ce qu'on a aujourd'hui dans notre poche. Et je ne parle pas de nos téléphones, mais d'une simple clé de voiture. Quoi ? La technologie des années 1970 ? Moi, je suis de celle des années 1930. Elle avait ses limites, mais on n'a pas à en rougir. Et surtout, on en a tiré le maximum. Voyager pèse 800 kg. Le diamètre de son antenne parabolique principale est de 3,66 m, un maximum pour l'époque. Il y a le corps principal à 10 côtés qui renferme toute l'électronique et les ordinateurs. Et de là partent toutes sortes de perches et d'extensions. Il y a les pieds qui le reliaient à la fusée, un bras très long équipé d'un magnétomètre, un autre avec le générateur électrique au plutonium qu'il faut tenir éloigné du vaisseau sinon il risque de l'irradier, et un autre bras portant les caméras et autres instruments. Ce sont les yeux en quelque sorte, l'antenne étant les oreilles. Et franchement, quand toutes ces extensions sont sorties au maximum, le vaisseau a la taille d'un minibus. Il est vraiment gracieux, malgré son allure dégingandée. Une drôle de silhouette, mais parfaitement adaptée à l'espace. Dans ma carrière, je n'ai produit qu'un disque, dont les 2 seuls exemplaires ont été envoyés dans l'espace. Est-ce que ça fait de moi un producteur ? La fenêtre de lancement a été choisie. Il fallait un certain alignement de planètes, et pas question d'attendre quelques jours de plus que le disque soit prêt. On a eu 6 semaines pour le faire et c'est ce défi qui a le plus marqué les esprits. Comment s'y prendre pour expliquer l'humanité à des extraterrestres en si peu de temps? Nous avions 2 objectifs pour la musique. D'abord, nous voulions des musiques représentatives de beaucoup de cultures différentes à travers le monde, et pas seulement de celles qui avaient conçu et lancé la sonde. L'autre critère, c'était que ce soit un bon disque. C'est un message très personnel, pas le fruit d'un travail collégial, beaucoup trop bizarre. De nos jours, on se servirait beaucoup d'Internet. Mais à l'époque, on s'enfermait dans le noir pour écouter ces musiques en prenant des notes. Ça prend beaucoup de temps de passer en revue une grosse pile de vinyles. Sur le disque de Voyager, je suis sûr qu'il y a des musiques dont vous ne connaissez même pas l'existence. Par exemple, le morceau japonais à la flûte shakuhachi, ou la jeune pygmée de 16 ans qui chante un chant initiatique dans la forêt Ituri en Afrique. C'est d'une beauté renversante. Le morceau de gamelan javanais aussi. Et la pièce chinoise de Qin, c'est envoûtant. Quelle aventure pour l'esprit!
Bien sûr, on est parti à la chasse aux disques rares. Je me souviens de l'arrière-boutique d'un magasin d'électroménager indien à New York qui vendait quelques disques traditionnels. C'est là qu'on a trouvé un raga qu'on a fini par mettre sur le disque. Notre critère était de décrire nos cultures en intégrant de la musique traditionnelle, des musiques primitives, mais aussi Bach, Beethoven et du jazz. On avait très envie de mettre les Beatles, mais ils nous ont dit « pas question ». On a essayé de leur dire que ça partirait dans l'espace, tout ça. Mais non, ils ne céderaient pas leurs droits aux extraterrestres. J'aurais beaucoup aimé mettre un morceau de Bob Dylan, mais il n'y avait de place que pour un seul morceau de rock contemporain. Alors on a choisi Chuck Berry, Johnny B. Goode, que Dylan aimait beaucoup d'ailleurs. It may be just four simple words, but it is the first positive proof that other intelligent beings inhabit the universe. What are the four words, Kalkur? Send more Chuck Berry. Le monde est plein de musique géniale, et il va sans dire qu'il y en a largement plus que sur le seul disque de Voyager. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Imaginez un peu vivre dans un monde où il n'y aurait que 90 minutes de musique potable. Au moment du lancement, la sonde était toute pliée comme un origami. Le moment de l'embarquement sur la fusée a été assez surprenant. Nous savions que ça arriverait un jour, mais ce qui nous a surpris, c'est notre émotion. J'ai regardé tous mes collègues, et là, j'ai compris que c'était la dernière fois que nous avions le vaisseau sous nos yeux. Je dois dire que c'était une expérience très émouvante. Nous avons lancé Voyager 2 en premier, et ça, la presse ne s'en est pas remise. Voyager 1 a été lancé plus tard parce qu'il était sur une trajectoire plus rapide. Il a donc dépassé Voyager 2 en décembre 1977. À partir de là, il a toujours été le premier à arriver aux abords des planètes. La presse était rassurée. La plupart des dessins des communiqués de presse montrent le vaisseau du mauvais côté par rapport au disque doré. Quand les journalistes sont venus au lancement, ils ne s'intéressaient qu'au disque. La NASA n'a pas toujours été très claire à ce sujet d'ailleurs. Évidemment, le disque témoin ne présente aucun intérêt scientifique. Les responsables ont organisé une nouvelle conférence de presse, mais à contre-cœur. Vraiment, c'était un peu ridicule. Cette conférence avait été organisée dans une grande salle de réception, mais coupée en deux par une sorte de paroi en accordéon. Et dans l'autre partie de la salle, on célébrait un mariage polonais. On a fait toute la conférence de presse au son des flonflons. Mais le public a bien compris l'enjeu. Les deux sondes ont été lancées par des fusées Titan dérivées de missiles balistiques intercontinentaux et reconverties dans le lancement de vaisseaux spatiaux civils en direction des planètes. 5, 4, 3, 2, 1. On assiste à la mise à feu, et là, on n'est plus du tout préparé à ce qui va arriver. Il y a ce bruit assourdissant et ces vibrations intenses. On a tout le corps qui tremble à l'unisson de toute cette énergie. On sautait dans tous les sens. On se prenait dans les bras. On était tellement heureux d'avoir réussi. La fusée avait bien fonctionné, ce qui n'est jamais gagné d'avance.
On était installés très loin de la fusée parce qu'on ne sait jamais, ça peut exploser. On retient un peu son souffle. On veut voir le moment précis où le vaisseau se détache de la fusée pour partir dans l'espace. Quand on l'a vu se détacher, on s'est tous dit, voilà, il est parti, notre ambassadeur pour les 5 milliards d'années à venir. J'étais là, du haut de mes 7 ans, je le regardais partir et je me disais, tiens, il y a un petit bout de moi là-dedans. Ça n'avait pas trop de sens pour moi, mais bon. Allez, au revoir. Il y avait des explosions de joie. L'aventure commence. Mais après le lancement, tout s'est affolé. Voyager s'est mis à faire des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et nous, sur Terre, on se disait, mais qu'est-ce qui lui prend ? Quand un lanceur quitte la table de lancement, il doit opérer une rotation pour se trouver dans le bon axe. Et la vitesse de cette rotation est bien plus élevée que celle à laquelle le vaisseau est préparé pour son vol. Alors il se met en rideau, tous les voyants s'allument, ça sature. La sonde ne contrôlait rien. Elle était embarquée sur une grosse fusée qui la secouait tellement fort qu'elle a cru qu'elle tombait en panne. Alors, elle a commencé à se mettre en backup pour une chose ou l'autre, en attendant de comprendre ce qui se passait. Pendant 2 jours, on s'est vraiment fait du souci. Tout le monde nous demandait si on avait perdu le vaisseau. Et on ne savait pas vraiment quoi répondre. Les journaux titraient « Mutinerie dans l'espace ». La sonde Voyager a décidé de ne pas suivre la trajectoire assignée par ses créateurs. Elle n'en fait qu'à sa tête. Heureusement, la personne qui avait créé le programme a pu nous expliquer ce que le vaisseau était en train de faire. Et ça a rassuré tout le monde. Toutes ces réactions qu'on trouvait bizarres, c'était en fait nous qui les avions programmées. C'est simplement que nous avions fixé des limites trop étroites. Il fallait qu'il puisse supporter davantage de mouvements, de vibrations. Et le signal de télémesure n'était pas assez constant. Bref, tous ces petits problèmes survenus sur Voyager 2 ont été réglés pour Voyager 1. Quand Voyager 1 a décollé, tout avait l'air normal. Et puis on a commencé à entendre des conversations sur le canal du lanceur. Quelque chose n'allait pas. J'ai regardé Charlie, il avait l'air inquiet. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit « Je ne sais pas, mais ça ne me dit rien qui vaille ». Il y avait une fuite de carburant dans le lanceur. Pendant la combustion, il s'échappait à l'extérieur. Et c'est pour ça que la phase 2 du lancement n'a pas pu fournir sa poussée maximum. L'étage supérieur de la fusée, qui est un centaure utilisant de l'hydrogène liquide couplé à de l'oxygène, a dû compenser. C'est l'étage Centaure qui assure le guidage. Il sait lorsqu'il n'est pas à la bonne vitesse. Et quand il se sépare du deuxième étage, il sait qu'il va devoir brûler plus longtemps pour augmenter la vitesse. Pour atteindre son orbite d'attente, le Centaure avait besoin de 545 kg de carburant supplémentaire. On se demandait tous, est-ce qu'il va avoir assez de carburant pour fonctionner normalement ? Heureusement, il avait 3 secondes et demie de poussée avant la panne sèche. Voyager 1 a réussi son coup à 3 secondes et demie près. S'il n'avait pas eu assez de vitesse pour atteindre Jupiter, il ne serait pas arrivé très loin, mais il serait reparti vers le Soleil. Et ça, ça n'aurait pas été bon. Disappearing through the evening sky. Oh, you know I'm with you on your journey. Never could say goodbye. And then, of course, you know. Et puis il y a cette idée que ça ne nous appartient plus. Now the major reason for la mission scientifique à proprement parler allait commencer. Mais notre rôle en tant qu'ingénieur, créateur de cette machine, était terminé.
C'était émouvant. Ce qui est fou, c'est qu'il y a à peine l'équivalent d'une vie humaine, 87 ans, l'univers se limitait à une seule galaxie, notre Voie lactée, qui flottait dans un univers immuable, dans un espace éternellement vide. On ne savait pas qu'il y avait des milliards de galaxies. On ne savait pas que l'univers était en expansion et qu'il était né d'une dilatation rapide il y a 13,7 milliards d'années. Et même d'autres choses encore plus étranges, comme ce sur quoi je travaille. Le fait que la majeure partie de la masse de notre galaxie est invisible, constituée d'une particule élémentaire inconnue qui nous traverse, la Terre et nous, sans qu'on s'en rende compte. Plus étrange encore, le fait que l'espace vide est un poids. Une fois qu'on en a ôté toutes les particules et les rayonnements, ça pèse encore quelque chose. Qui plus est, c'est l'énergie dominante dans l'univers et on ne sait pas pourquoi elle est là. On a beau essayer, on ne peut jamais vraiment imaginer ce que la nature nous réserve comme surprise. Le temps a filé à toute vitesse. Je crois qu'on n'avait pas bien saisi avant la première rencontre avec Jupiter à quel point ce serait intense. Mais on a vite compris. C'est assez intéressant. On commence à travailler sur une mission en 72. Le lancement a lieu en 77. Jusque-là, pas vraiment de travail scientifique, juste de la préparation. Et puis en mars 79, c'est l'avalanche. On se laisse gagner par le suspense. On a démarré la phase d'observation avec notre caméra téléobjectif, et c'est comme ça que, jour après jour, Jupiter nous est apparu de plus en plus grande. À mesure qu'on approchait, chaque photo était plus belle que la précédente. Au départ, c'était un tout petit point sur l'écran qui grossissait de jour en jour, et plus on approchait, plus les images étaient spectaculaires. C'était incroyablement étrange et beau. Grâce à Voyager, Jupiter se révélait dans toute sa splendeur. On essayait d'obtenir le plus de détails possible. On avait un objectif 1500 mm et un grand angle de 200 mm. Jupiter, c'est plus de 10 fois la Terre. Elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, sans aucune surface solide. Ces planètes sont faites de gaz liquide et de liquide au plus profond. Plus on va en profondeur, plus le gaz est comprimé. Il devient tellement chaud qu'on serait littéralement vaporisé si on devait traverser Jupiter. Nous, les spécialistes de sciences de l'atmosphère, on avait plus de recul parce qu'on était concentrés sur la planète, pas sur ses lunes. Et on était toujours les premiers à repérer quand il se passait quelque chose, les premiers à pousser de grands cris. Aujourd'hui encore, on n'embarque pas de détecteur couleur. La résolution est bien meilleure en noir et blanc. Quand on veut de la couleur, on traite les images, on met des filtres et on assemble tout ça pour faire une image couleur.
Cette accélération, quand on se rapproche d'une planète, c'est quelque chose de très excitant. On appelait ça le tuyau à incendie. Impossible d'avoir un goutte à goutte. On est tout de suite inondé de données. On approche de Jupiter et là, on voit une tempête qui dure depuis plus de 300 ans. C'est la grande tache rouge. On y logerait deux ou trois fois la Terre. Vous voyez la tache ? Une Terre ici, une Terre là, et tout ça tourbillonne. Moi, j'imaginais que les mouvements autour de cette tache géante seraient assez lents, comme dans du miel. Mais quand Voyager a commencé à nous transmettre des images plus rapprochées, on s'est aperçu qu'il y avait en fait une très grande activité. Ce qui n'a fait qu'augmenter le mystère. Comment ces grandes tempêtes étaient possibles avec toutes ces turbulences autour ? Elle avalait des nuages, elle en crachait d'autres. On savait que c'était un vortex, mais on ne l'avait jamais vu en action. Chaque jour, on se demandait si notre vaisseau était assez bien conçu. Avait-on vraiment anticipé tous les problèmes possibles ? La sonde Pioneer 10 avait enregistré des rayonnements bien supérieurs à ce qu'on avait pu calculer à partir de la Terre. On fait exprès de s'approcher de ce monstre, de ce champ magnétique phénoménal, parce qu'on veut pouvoir observer toutes les lunes, les nuages et les tempêtes, et aussi parce qu'on veut profiter de sa gravité pour foncer vers Saturne. Mais on ne sait pas si le vaisseau va survivre à ça. S'il grille, finit la mission. Pareil s'il reste intact, mais qu'il ne peut plus communiquer. 2 mois avant le lancement, l'équipe scientifique prévoyait que les champs magnétiques autour de Jupiter seraient assez intenses pour accélérer les particules. On entendait parler de valeurs proches de 40 000 volts, autant dire que notre vaisseau n'y survivrait pas. Les câblages des différentes extensions de la sonde étaient conducteurs. Ils risquaient de transporter ce bombardement à l'intérieur de nos systèmes et de tuer le vaisseau. Il a donc fallu tout isoler. Et on n'avait plus le temps de passer par les procédures de conception normale. Alors, pour que ça puisse être fait rapidement, on a monté une équipe qui a fait des choses pas très orthodoxes. Je me souviens avoir demandé à un technicien d'aller acheter du papier alu. On n'avait rien d'autre sous la main. Normalement, nos protocoles de commande de matériaux sont des procédures beaucoup plus élaborées. On était là, dans nos combinaisons blanches, à découper des bandes de papier alu qu'on nettoyait au chiffon et à l'alcool pour les enrouler ensuite autour de nos câbles extérieurs. Mais c'était le même alu que dans votre cuisine. Ce qui en soi n'est pas très gênant. Peut-être qu'il y a eu une rupture de stock de papier alu à l'épicerie du coin pendant quelques jours. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Une chose est sûre, on ne savait pas si ça suffirait. On entendait toutes sortes de sons inouïs. C'est un phénomène très curieux. Imaginez des molécules qui se rassemblent dans un coin d'une pièce et qui commencent à siffler tout en même temps. Eh bien, dans cette ceinture de radiation, c'est possible. J'appellerais ça des sons radio, parce qu'on les détecte avec une antenne. Si vos oreilles étaient équipées d'antennes assez puissantes, vous pourriez capter ce qu'on a enregistré. Des sifflements. Ces sifflements, ce sont en fait des éclairs. C'était la première fois qu'on détectait des éclairs sur une planète autre que la Terre, en beaucoup plus intense. Sur Jupiter, il y a des éclairs qui couvriraient la moitié des États-Unis. C'est fascinant ce qu'on entend dans l'espace. Quand on est en mission de survol, il ne faut pas se rater. On recevait des images de plus en plus satisfaisantes. On commençait à voir les détails des lunes. On n'avait qu'une crainte, c'était qu'elles ressemblent toutes à notre lune, qui, il faut bien le dire, est sans fantaisie. On imaginait qu'on allait trouver des boules de glace cabossées.
On a commencé par Callisto, qui est en effet entièrement recouverte de cratères d'impact. Ensuite, Ganymède, qui présente des sillons et des arêtes intéressants, mais qui est aussi criblé de cratères. Puis on est passé aux deux autres. Et là, pas de cratères. C'était encourageant parce que ça voulait dire qu'on allait peut-être trouver de la diversité. On a découvert une boule de billard bien lisse, Europe, recouverte d'une croûte de glace craquelée. On aurait dit des plaques de glace en mouvement. La meilleure explication à cela, c'est qu'il y ait un océan d'eau salée sous cette croûte de glace. Un océan encore plus vaste que sur Terre, peut-être deux ou trois fois plus. Le plus grand océan du système solaire. Et il se trouve sur un satellite de Jupiter. Et puis le clou du spectacle, c'était Io. Io, bien sûr, c'était la star. Et on n'en savait rien. On l'a découvert à cette occasion. Tout le monde était rentré chez soi. Linda Morabito, une ingénieure qui était là pour établir la position et l'orbite du vaisseau, a repéré des sortes de bosses à la surface de Io. Sur cette mission, j'étais ingénieure de navigation. J'étais chargée de jeter un dernier coup d'œil avant de partir. Allez, une dernière photo de Jupiter. Ce n'était pas un poste très prioritaire. C'était une image de navigation optique, et Linda a aperçu quelque chose d'étrange à la surface. J'ai vu émerger un objet vraiment énorme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être? D'après l'image, ça ressemblait à un autre satellite émergeant de derrière Io. Mais un objet de cette taille, à cette distance, aurait été visible de la Terre. Ce dont j'étais sûre, en revanche, c'est que je voyais quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. C'était comme un panache en forme de champignon qui s'élevait à 250 km au-dessus de la surface. Une activité volcanique. J'avais découvert la première preuve d'un volcanisme actif ailleurs que sur Terre. C'était incroyable qu'une petite lune comme Io ait une activité volcanique 100 fois supérieure à celle de la Terre, alors qu'on pensait qu'elle était la seule du système solaire à avoir des volcans actifs. Cette expédition allait nous réserver de belles surprises. I wanted to say one other thing. We've been saying that perhaps there's some funny way in which Jupiter gobbles up all the things that are coming in and doesn't let Io be hit by any. Well, we aimed a spacecraft and went very close, and had we missed, we would have made the first impact crater. Les phases de survol des planètes durent environ une semaine, et c'est 24 heures sur 24. C'est très intense. It's intense. There will be a Voyager report in 30 seconds. C'était de la science en direct, du fait de la conférence de presse du soir. Les images arrivent et on a 3 heures pour les comprendre et en informer le monde entier. Grosse pression. Et là, on regrette d'être fait de chair et de sang. On a besoin de manger, de dormir, d'aller aux toilettes. Et à cause de ça, on va forcément rater quelque chose, alors qu'on ne veut surtout pas, parce que toutes les 48 secondes, une nouvelle image arrive. Personne ne dormait pendant ces périodes où le vaisseau survolait les planètes. Les labos photos travaillaient jour et nuit. Les gens dormaient dans leurs voitures. On était trop excités pour dormir. C'est la toute première photo de l'anneau de Jupiter.
Jupiter, c'était magnifique. On allait de découverte en découverte. Rien ne se crée, rien ne se perd. Quand Voyager s'est trouvé accéléré à 56 000 km/h grâce à l'assistance gravitationnelle, la rotation de Jupiter sur 1000 milliards d'années a été ralentie de 30 cm. Jupiter a changé la donne. Elle a remis les compteurs à zéro. Là, on a compris qu'on passait aux choses sérieuses et que ce n'était que le début de l'aventure. Jupiter nous avait bluffés, mais ce n'était encore rien à côté de Saturne. Pour moi, la mission Voyager, ça a été homérique. Des années à traverser le système solaire d'une planète à l'autre, puis une semaine ou deux d'activités frénétiques, de découvertes, et puis on remonte sur le bateau et en avant pour de nouvelles conquêtes. Je suis le fils de Carl Sagan et de Linda Salzman Sagan, l'artiste-écrivain qui a dessiné la fameuse plaque embarquée sur la mission Pioneer et qui a rassemblé tous les messages de salutation pour le disque doré de Voyager. J'aime bien l'idée qu'elle ait réuni une sorte de cœur de voix qui salue les étoiles. Mes parents voulaient aussi qu'il y ait une voix d'enfant, alors ils m'ont demandé « Nick, tu voudrais bien laisser un message pour les extraterrestres, s'ils existent ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?» Bonjour des enfants de la planète Terre, tout simplement. Ça leur a plu ? Super, on va t'enregistrer. C'est un peu flou, mais je me souviens des boutons et des aiguilles des vue-mètres qui vont dans le rouge quand on parle trop fort. Très 70s. Je me souviens de l'aiguille qui bougeait pendant que je parlais, qui s'approchait du rouge, mais sans y entrer. Ouf. Et puis il y a mon écriture de gamin de 6 ans qui n'a pas tellement changé d'ailleurs, et qui dit « Bonjour des enfants de la planète Terre », avec « plan » à la fin de la ligne et « est » en bas parce que je n'avais plus de place. Il y avait aussi un dessin. Aujourd'hui, je dirais que c'est un arbre, mais à l'époque, on m'a dit que j'avais voulu faire une fusée. J'étais plus concentré sur mon petit dessin de rien du tout que sur la façon dont j'allais dire ma phrase. Mais je l'ai fait, puis j'ai bu mon jus de pomme et je suis retourné à mes livres. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai saisi ce que ça avait d'exceptionnel. Oitnes poteste chairete. Aïrenikos pros philos eleluthamen philoi. Je n'avais rien d'extraordinaire, mais je me suis trouvé là, au bon moment, et on savait que je parlais arabe. J'ai eu de la chance. J'ai dit, pourquoi moi? Parce que tu parles portugais. Je n'ai reçu aucune consigne sur ce que je devais dire, seulement qu'il fallait que ce soit court. Ces salutations à l'univers, c'est un peu les ancêtres du tweet. Ça devait être court et simple, et on m'a laissé 5 minutes de préparation avant d'enregistrer. On m'a dit, on enregistre pour un vaisseau spatial. J'étais très intimidée. Comment saluer l'univers? Il n'y a pas de formule toute faite pour ça. Paz e felicidade a todos, which means ça veut dire paix et bonheur à vous tous. Ça m'a semblé le moins risqué si on croisait des extraterrestres plutôt que de leur dire conduisez-moi à votre chef. Take me to your leader or whatever. 各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。 Comme le vaisseau est fait d'une matière froide, inanimée, et que le disque lui-même est en métal, je voulais que ma voix transmette de la chaleur. Ce qui signifie « Salut à nos amis du ciel, nous aimerions vous rencontrer un jour ».
Il y a une part de moi qui voyage sur ce vaisseau. Il est parti, il poursuit sa route, et quand je ne serai plus là, il sera encore en route. C'est un peu magique. To telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. J'aimerais avoir la réponse à cette question. Sommes-nous vraiment seuls? Il y a forcément d'autres civilisations dans cette immensité. Ce serait presque statistiquement impossible qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie intelligente ailleurs, et même plus qu'intelligente. Plus l'espace est vaste, plus c'est possible. Mais de là à les trouver, c'est beaucoup moins sûr. La botte de foin est beaucoup trop grosse pour qu'on y trouve l'aiguille. L'existence d'autres formes de vie intelligente, si tant est que nous puissions nous ranger dans cette catégorie, est tellement sûre que je vous parie qu'en ce moment même, un homme et une femme sont en train d'avoir exactement la même conversation que vous et moi. Ils sont peut-être même en train d'essayer d'établir un contact avec nous en ce moment. Je suis sûr qu'il y a des messages radio qui traversent cette pièce et qu'on pourrait les capter avec un équipement adéquat si on savait vers quoi diriger le récepteur et sur quelle fréquence se régler. Ici, dans cette pièce, c'est saisissant. Ils sont là, là, dans cette pièce. Par rapport à toute forme de vie extraterrestre, l'éloignement n'est pas tant spatial que temporel. Tout dépend de combien durent les civilisations. Il faut bien qu'elles existent simultanément si elles veulent pouvoir communiquer. La galaxie a environ 12 milliards d'années, mais notre Soleil est plus jeune, 4 milliards d'années et demie. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont bien plus âgées. On peut donc imaginer une civilisation ayant vécu autour d'une étoile plus ancienne et qui ait observé la formation de notre Terre. Sur ces 4 milliards et demie, ce n'est qu'au cours des 50 ou 60 dernières années qu'ils auraient pu détecter nos signaux, à la faveur d'une diffusion de Star Trek, par exemple. Même si on vous dit, regardez cette étoile, regardez le troisième caillou en partant de l'étoile, c'est là que vous trouverez de la vie. Même si vous savez où chercher, il n'y a que 50 à 60 années sur plus de 4 milliards où vous pourriez en trouver. Si nous sommes seuls, alors nous sommes vraiment uniques. Comment est-ce possible? Pourquoi nous? Et en quoi sommes-nous si particuliers, tout seuls dans notre petit coin d'univers? Et si nous ne sommes pas seuls, comment sommes-nous arrivés ici? Est-ce que ces autres groupes peuvent nous en apprendre davantage sur nous? À quoi ressemblent-ils? Sont-ils les créatures de nos rêves ou de nos cauchemars? Ce qui nous sauve, c'est que le voyage interstellaire n'est pas une chose facile. Les extraterrestres ne sont sans doute pas plus avancés que nous dans ce domaine. On est tranquille pour quelque temps. En gros, on est tous coincés, chacun de son côté sur sa planète. De Jupiter à Saturne, le voyage a été relativement rapide. On n'a pas vu le temps passer. Jupiter, c'est un peu le mâle dominant du système solaire. C'est assez évident. Mais Saturne est plus majestueuse, avec ses anneaux qui lui donnent un air de sérénité, et avec ses lunes un peu éloignées, en retrait. Les premières images n'étaient pas meilleures que celles qu'on pouvait prendre de la Terre, mais à mesure que la sonde approchait, c'était de mieux en mieux.
On se disait, qu'est-ce que ce sera quand on sera tout près? Au télescope, les anneaux de Saturne ressemblent à de petites oreilles de chaque côté. Et là, on voyait tous les détails. On aurait dit les sillons d'un disque vinyle. Les anneaux de Saturne, qu'est-ce que c'est? Des milliards de particules glacées, certaines aussi grandes qu'une maison. Elles sont énormes, beaucoup plus larges que plusieurs terres mises côte à côte, mais de moins d'un kilomètre d'épaisseur. En se rapprochant des anneaux, on s'est rendu compte que c'était en fait un tourbillon d'objets, quelque chose de très complexe. On était devenus accros. C'est comme ça pendant les phases de survol. Quand on a déjà vécu ça une fois, on sait que c'est une expérience géniale et on voudrait que ça ne s'arrête plus jamais. À un moment, peut-être un an ou so de maintenant, il peut-être possible de mettre tout ça en perspective. Mais, right at the moment, I cannot recall being in such a state of euphoria for any previous planetary encounter. Including our two remarkable Voyager encounters at Jupiter. Largest moon, Saturn. Titan's the most extraordinary place. There is a dense methane atmosphere where a complex organic chemistry has been going on for perhaps billions of years, and we are in a moment of extraordinary discovery. Les deux sondes étaient programmées pour effectuer la même mission sur Saturne, la mission primordiale, l'exploration de Titan. Titan suscitait beaucoup d'intérêt scientifique, parce qu'on pense qu'au début de son existence, la Terre devait lui ressembler, avec très peu d'oxygène, beaucoup d'hydrocarbures, une atmosphère très dense et brumeuse qui, sur notre planète, a été radicalement modifiée par la vie. En gros, pour étudier les origines de la Terre, il faut étudier Titan. Si Voyager 1 réussissait sa mission sur Titan, alors Voyager 2, qui était attendu 9 mois après sur Saturne, pourrait continuer directement sur Uranus, puis vers Neptune. Mais ça dépendait du succès de Voyager 1 sur Titan. Si on voulait que Voyager 1 survole Titan, on ne pouvait plus l'envoyer vers Uranus et Neptune par la suite. Il était impossible de modifier sa trajectoire pour l'envoyer ailleurs. Voyager 2 aurait fait exactement pareil si Voyager 1 avait échoué. Et l'exploration des planètes se serait arrêtée là. Ça aurait été vraiment dommage de devoir renoncer à Uranus et Neptune pour faire un deuxième essai avec Titan. On avait beaucoup d'attentes avec Voyager 1. En gros, Titan était une boule géante de brouillard marron avec des sortes de brumes électriques bleutées au-dessus. La caméra de Voyager ne voyait pas à travers les nuages et la brume. Mais les signaux radio du vaisseau traversaient l'atmosphère de la planète, ce qui permettait d'avoir une mesure de la pression à la surface et aussi des températures. On a eu beaucoup d'infos grâce à ces signaux. Titan ne s'est pas révélé aux caméras de Voyager, mais les spectromètres et les ondes radio ont aidé à mieux connaître la composition chimique et physique de son atmosphère et de sa surface. On a collecté tout ce qu'on pouvait avec Voyager 1. Il n'y avait pas grand-chose à tirer d'un deuxième survol de Titan. Peu de temps après, les responsables de la NASA ont accepté que Voyager 2 poursuive sa trajectoire en direction d'Uranus. Voyager 1 avait rempli sa mission. Souvent, les gens ne savent pas qu'on a failli ne pas continuer vers Uranus et Neptune. Tout dépendait de la mission de Voyager 1 sur Titan. Une fois sa mission accomplie, Voyager 1 s'est éloigné vers les confins du système solaire, en quittant le plan de l'écliptique. Sa mission planétaire était donc presque terminée.
J'y reviendrai plus tard. On a commencé à recevoir des images et des données de Voyager 2. Mais à un moment donné, la sonde devait passer derrière Saturne, ce qui allait nous bloquer l'accès aux signaux radio. Ça devait se passer en pleine nuit. On savait que pendant plusieurs heures, on ne serait plus en contact avec le vaisseau. On était déjà prêts à boire le champagne. On n'avait plus qu'à récupérer sur l'enregistreur les données qui n'auraient pas pu être transmises. Et au lieu de ça, on commence à recevoir des tas de signaux d'erreur en provenance de Voyager 2. Il s'était passé quelque chose de grave. C'était au moment de la traversée du plan des anneaux, et on ne recevait que des images noires. Est-ce que la sonde avait percuté les anneaux de Saturne? Est-ce que c'était la fin? I wanted to make a very brief statement. We do have a problem on board the Voyager 2 spacecraft. The spacecraft has a problem. The scan platform operating mechanism is not operating properly. To make sure we understand where we're headed, the following instruments are mounted on the platform. The wide-angle camera, the narrow-angle camera, the infrared instrument, the ultraviolet instrument, and the photopolarimeter. C'était le jour le plus sombre de toute cette mission. The darkest day of the whole mission. There is circumstantial evidence. Quand je suis entré dans l'auditorium, tout le monde était consterné. J'ai su assez vite ce qui s'était passé. La plateforme des caméras avait gelé. Cette plateforme traversait l'immensité du ciel à vitesse maximum. Ce gel pouvait tout compromettre. Ça voulait dire que le reste de la mission était fichu. Saturne, Uranus et Neptune. Tout d'un coup, on voyait nos projets s'effondrer. Gone. Just suddenly gone. The problem is not with the camera, it's with the articulated platform that moves all of the instruments. Our cameras, as far as we know, are working just fine. It's just that we're taking lots of pictures of black space. Toutes les explorations qu'on avait prévues, Uranus et Neptune, plus aucun vaisseau spatial n'irait là-bas. C'était la mission de Voyager et tout d'un coup, c'était comme si ça n'allait plus être possible. On était complètement anéantis. L'équipe d'ingénieurs a mis 2 jours à diagnostiquer le problème. Cette plateforme est dotée de petits moteurs qui la font tourner. On pouvait la faire tourner au ralenti, tic-tic-tic-tic, à vitesse moyenne ou alors très vite. On voulait pouvoir observer dans différentes directions. Mais comme ça n'était pas bien lubrifié, ça restait bloqué. C'était un peu comme une voiture bloquée dans la neige. On essaie d'aller en avant, en arrière, par petits coups, pour essayer de la dégager petit à petit. C'est ce qu'on a fait avec la plateforme. On a essayé de la pousser dans un sens, elle bougeait un peu, puis dans l'autre sens, et ainsi de suite, d'avant en arrière, et on a enfin réussi à relubrifier le tout. La plateforme a été libérée, les images sont revenues, et on a eu Saturne au moment où on s'en éloignait. Oui. On voyait l'ombre de Saturne sur les anneaux. C'était un angle nouveau, inédit. Incroyable. On était de l'autre côté de Saturne. On avait l'impression d'y être. On n'en avait pas vraiment conscience.
Voyager, c'était une part de nous-mêmes. Nous. Pour moi, toutes les explorations planétaires, c'est une histoire de désir. Désir de se connaître soi-même. Désir de comprendre le sens de notre existence. De communiquer, de dire à l'univers, on est là, regardez-nous. Et vous, où êtes-vous? Comment s'y prendre pour communiquer avec une civilisation dont nous ignorons tout? L'hypothèse, c'est qu'on partage le même univers physique, que les lois de la physique ici sur Terre ont l'air de s'appliquer partout ailleurs. Il se peut donc qu'on puisse communiquer assez facilement sur la science et les mathématiques. Les hommes partagent tous l'amour de la musique. C'est ce que dit le disque. On aime ça, on vous l'envoie, c'est notre cadeau. La musique, à la base, c'est des mathématiques. Dans la musique populaire, ça peut être des structures très simples, c'est de l'arithmétique. Pour une fugue de Bach, ça peut être plus complexe et plus intéressant. Les mathématiques sont un langage universel. C'est pour ça que nous avons inclus des musiques qui soient intéressantes d'un point de vue mathématique. Ce n'est pas si simple. Il y a des formes d'intelligence sur notre propre planète, les dauphins, les baleines, avec lesquelles on ne sait pas communiquer, au-delà des petits numéros de delphinarium. C'est un peu présomptueux d'imaginer que ça va se passer comme dans Star Trek, qu'on va trouver des formes de vie avancées, avec qui on va tout de suite pouvoir discuter autour d'une tasse de thé. C'est plus compliqué que ça. Le disque de Voyager contient une série de photos pour décrire notre civilisation. Mais on ne pouvait en mettre qu'une centaine, pas plus. Ça n'a pas été facile. On a procédé par petites touches. On ne peut pas décrire la Terre en 100 photos. Pas même en 1000, mais il fallait réussir à représenter tout un monde à partir d'un détail. Nous pensions qu'il était très important de mettre des photos de corps nus pour montrer notre anatomie. La NASA avait déjà été très critiquée à cause de la plaque de Pioneer. Les journaux avaient reçu du courrier des lecteurs disant que la NASA envoyait de la pornographie dans l'espace. Comment faire pour montrer des corps nus sans être accusé d'obscénité? Notre réponse a été de mettre une photo de femme enceinte, parce que les femmes enceintes ne sont pas considérées comme des objets de désir. C'est donc ce que nous avons fait. Si la NASA ne laisse pas passer ça, elle ne laissera rien passer. Et de fait, elle ne laisse rien passer, car c'est la seule photo qu'elle nous a demandé de retirer. Et maintenant, il fallait 5 ans pour arriver à Uranus. Uranus will be the most remote object yet visited by a spacecraft, and it's so remote that it was not even known until 200 years ago. And it's a great distance out there, and if we'd launched directly from Earth, it would have taken 30 years to get there. So we were very fortunate that we could swing by Jupiter and Saturn on our way. I can only say that as an observational astronomer, I've been trying to figure this thing out for the past 25 years, and it's very frustrating in a telescope to look at that tiny little disk and try to determine anything about it. So for me, the next few days are going to be very exciting. Une fois au-delà de Saturne, les ingénieurs ont dû improviser. Comment va-t-on faire fonctionner le vaisseau? Comment photographier des planètes aussi éloignées du Soleil? Voyager était le premier vaisseau de la NASA à pouvoir être reprogrammé.
On pouvait supprimer tous les programmes informatiques et les remplacer par d'autres, à distance. Les ingénieurs lui ont appris à pivoter comme une danseuse. En gros, quand on veut filmer un objet qui passe trop vite, on apprend au vaisseau à pivoter entièrement comme ça pour suivre l'objet. Et même s'il faisait sombre près d'Uranus et carrément noir près de Neptune, on pouvait laisser l'obturateur ouvert sans problème. C'était génial. On a trouvé des trésors sur Jupiter et Saturne, mais Uranus, c'était l'inconnu. C'était la première fois qu'on continuait sur Uranus et Neptune. On n'avait plus qu'un seul vaisseau. On avançait presque à l'aveugle, et c'était notre dernière chance. D'ailleurs, il n'y en aura pas d'autre de sitôt. On sera tous morts avant que quiconque approche de nouveau Uranus et Neptune. C'était comme voir cette planète, qui était presque une abstraction, presque un mythe, devenir un objet bien réel. Elle se présentait un peu comme une cible, tellement son axe de rotation est incliné. Et puis cette magnifique couleur bleu-vert à cause du méthane présent dans l'atmosphère. À chaque photo, c'était encore plus beau. On entendait les gens s'extasier. Waouh ! Ceux qui étaient occupés se retournaient d'un coup et « Waouh, regardez-moi ça !» Il n'y avait pas Internet, pas de fil d'actu en direction de CNN Live. Pour pouvoir partager cette expérience unique, c'est-à-dire faire partie de ce groupe de gens qui regardent un petit point lumineux devenir un monde réel sous leurs yeux, il fallait être confiné dans cette pièce. Well, just about 2 minutes ago, Voyager 2 passed through its closest approach to Uranus. The new ring is right. You're telling me you can't see it. I can. Dr. Soderblom, as you whizzed through your explanation, I couldn't put it all together. Could you try that again? Slower? Slower and a few more details? I thought that was pretty slow. Il y a eu des surprises à chaque nouvelle planète, même si on avait beaucoup appris dans l'intervalle. Par exemple, avant Voyager, tous les champs magnétiques avaient leur pôle magnétique près de l'axe de rotation de la planète. C'était le cas pour Jupiter, pour Saturne. Et là, sur Uranus, le pôle magnétique était près de l'équateur. On a trouvé une planète inclinée sur le côté, mais comme le champ magnétique est orienté par rapport à l'axe de rotation, on avait une sorte d'énorme contorsion du champ magnétique lié à la rotation de la planète. Très bizarre. Pourquoi ce champ magnétique était si perturbé? On n'en avait aucune idée. Au moment où Voyager 2 est passé près d'Uranus, l'un des pôles de la planète pointait en direction du Soleil. À cet endroit de son orbite, l'atmosphère ne laissait pas voir grand-chose. La planète n'était pas très engageante. Et d'ailleurs, c'est un peu sa nature. Uranus ne livre pas ses secrets. Je pense que c'est l'une de nos déceptions. Uranus n'est pas plus photogénique que cela. Elle est assez terne. Oui, pauvre Uranus. Uranus n'est pas de la même trempe que Jupiter et Saturne. Elle est toute en discrétion. Heureusement, il y avait ces lunes. Pour aller sur Neptune, il faut se servir de l'appui gravitationnel d'Uranus. Or, il se trouve que le point d'entrée dans la sphère d'Uranus se trouvait tout près de l'orbite de Miranda.
Pour info, Miranda n'est pas la plus grosse lune d'Uranus. Et si Uranus avait été la dernière planète visitée, peut-être que les scientifiques auraient préféré en explorer une plus grande. Alors qu'en fait, je ne vois pas ce qui aurait pu être plus intéressant que Miranda. C'était un drôle de bazar. On aurait dit qu'elle avait été comme concassée, puis remise en boule à la va-vite. Un drôle de truc. On était rivés à l'écran. Non mais regarde ça, et ça. Miranda a bluffé tout le monde. Par endroits, il y avait d'énormes falaises, comme des entailles. Sur l'une d'elles, il y avait un à-pic qui devait faire dans les 10 kilomètres. La gravité sur Miranda est si faible que si vous tombiez du haut de cette falaise, vous auriez le temps de lire votre journal. Votre chute durerait 20 minutes, mais en arrivant au fond, la vitesse serait encore de 150 km/h. Alors, ce serait le dernier journal de votre vie. Il faut rappeler aussi que ce moment d'exploration d'Uranus était une période très triste pour nous tous. Nous étions sur le point de présenter tous nos résultats dans le cadre d'une grande conférence de presse, le bouquet final. Mais ce matin-là, je suis allée assister au décollage de la navette Challenger. Nous avons main engine start. 4, 3, 2, 1... And liftoff from the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. On s'était tous dit, allons voir le lancement, puis on ira à la conférence de presse. Mais c'était Challenger. Engine throttling up, three engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go and throttle up. Les gens étaient sidérés. Vous avez vu ça? Elle a vraiment explosé? On avait interrompu notre réunion pour assister au décollage. Et là, le silence. Tout le monde pleurait. Que dire? On a su tout de suite qu'ils étaient morts. Et bien sûr, ils ont montré ça en boucle. L'accident de Challenger a eu lieu au moment où nous quittions Uranus. Je me souviens très bien de cet enchaînement d'images. Le croissant d'Uranus qui s'éloigne et l'explosion de Challenger. C'était terrible. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. I know it's hard to understand, but sometimes painful things like this happen. It's all part of the process of exploration and discovery. It's all part of taking a chance and expanding man's horizons. The future doesn't belong to the faint-hearted. Belongs to the brave. Reports from the flight dynamics officer indicate the impact in the water, approximately 28.64 degrees north, 88.28 degrees west. Pendant ces périodes d'approche des planètes, il y avait des centaines de journalistes qui passaient au laboratoire, dans une ambiance de salle de rédaction. Et après Challenger, tout le monde est parti. C'était une période très triste. Une triste fin pour une autre belle mission. Ces questions auxquelles on espère pouvoir répondre en envoyant des machines dans l'espace, ce sont les mêmes que celles que vous vous posez, que se posent les enfants. D'où vient-on? Sommes-nous seuls? De quoi est fait l'univers? Comment va-t-il finir? C'est ça le moteur de la science.
Moi, je m'occupe de cosmologie. J'étudie le commencement et la fin de l'univers. Les gens me demandent à quoi ça sert. Je leur réponds toujours, vous ne vous demandez pas à quoi sert une symphonie de Mozart. Avec la science, il faut toujours une utilité. Il faut qu'elle produise de la technologie, alors que ce qui est beau dans la science, ce sont les idées. Quand on est enfant, on demande pourquoi. Mais en grandissant, on se rend compte qu'on voulait dire comment. Einstein nous a appris que le temps et l'espace sont liés de façon indissoluble. Nous vivons dans un espace-temps. Si un beau jour notre univers est apparu et l'espace avec, alors le temps aussi. Il est probable que le temps n'existait pas avant le Big Bang. Il n'y avait pas d'avant, ce qui peut paraître fou parce que s'il n'y a pas d'avant, toutes les idées de causalité et d'effet sont à jeter. En tout cas, ça veut dire que nous allons devoir apprendre à changer notre compréhension des choses. Et si notre Big Bang n'en était qu'un parmi tant d'autres qui se produisent dans ce qu'on appelle maintenant un multivers? C'est un changement de perspective qui nous rend encore plus insignifiants. Nous étions déjà assez insignifiants quand nous tournions autour du Soleil, au milieu de nulle part, parmi des centaines de milliards d'autres galaxies. Mais plus encore maintenant qu'on sait que ce qu'on croyait être notre univers n'est qu'un espace insignifiant au milieu de quelque chose de beaucoup plus vaste. La science nous éloigne de plus en plus du centre de l'univers, du cœur de l'action. Finally, at Neptune, Voyager has begun the last of a decade's worth of encounters with the outer planets. Après ça, il a fallu 3 ans et demi pour atteindre Neptune. On a dû reprogrammer le vaisseau, lui apprendre de nouvelles parades pour fonctionner dans cet environnement encore plus sombre et plus froid. Si la Terre est située à une unité astronomique du Soleil, il faut savoir que Neptune est à 30 fois cette distance. Lorsque nous avons lancé Voyager, il n'y avait aucun moyen technique d'envoyer des images sur 30 unités astronomiques. Ces moyens sont arrivés après. Il a donc fallu reprogrammer le vaisseau et prévoir 2 antennes de 34 mètres pour les ajouter à une antenne de 70 mètres. On a dû utiliser la totalité du radiotélescope du Nouveau-Mexique, soit 27 antennes, pour recueillir les signaux très faibles du fait de la distance. Les survols de Jupiter, Saturne et Uranus avaient accéléré le vaisseau, qui allait maintenant encore plus vite, donc une très forte pression et une seule chance. Elle était là, au bord de notre système solaire, comme si elle attendait que quelqu'un vienne admirer sa beauté. Que des humains passent à proximité et s'émerveillent. Neptune était photogénique dès le départ. J'avais déjà fait des photos de Neptune sur Terre, mais on ne voyait pas grand-chose. Après tout ce que j'avais imaginé, la voir en vrai comme ça, quel flash! C'était une boule bleue brillante qui rappelait un peu la Terre. Ce qui était assez étrange pour la dernière planète que nous allions découvrir. Je prenais beaucoup de notes dans des carnets avec des petits commentaires. Je faisais des croquis, une tache noire, une couche de nuages. Avec des « waouh » et des points d'exclamation partout, des dessins, des flèches. Le plus surprenant, c'était une immense tache sombre. Personne ne s'attendait à la trouver là. C'était énorme, comme un trou dans la planète. On l'a donc appelée la grande tache noire. Parce qu'on n'est pas très inventif pour les noms. On devait faire une prévision des tempêtes sur Neptune pour les filmer le dernier jour. Et au même moment, sur Terre, il y avait un ouragan au large de la côte est des États-Unis. Et les météorologues essayaient de prévoir quand il arriverait sur les côtes. Ils voulaient des prévisions à 12 heures, mais ils avaient un mal fou parce qu'ils n'arrêtaient pas de changer de position. Alors que nous, on notait tranquillement nos points sur du papier millimétré et on disait « voilà, dans 2 semaines, cette tempête sera ici ». Et souvent, c'était le cas.
Pour Jupiter, Saturne et Uranus, l'objectif était de survoler les planètes de telle sorte que le vaisseau soit propulsé vers la suivante. Mais pour Neptune, qui était la dernière, nous avons pu prendre une autre trajectoire, ce qui nous a permis d'avoir une image vraiment spectaculaire des anneaux et une vue arrière sur tout le système. C'était vraiment magnifique. Imaginez un peu capter l'image des anneaux de Neptune, qui ont une réflectivité deux fois plus faible que la suie, dans une lumière mille fois plus faible que sur Terre. On a donc un millième de lumière et on essaie de capter quelque chose qui est deux fois plus sombre que la suie, sur un fond qui est noir d'encre. More than one ring could be seen even in the raw images, the so-called ring arcs. And it seemed reasonable that this was indeed the lost arc that our imaging team raiders were looking for. Now you're going to turn on me, right? À proximité de Neptune, on voulait s'approcher de Triton, qui est un monde en soi, sur une orbite rétrograde autour de Neptune. À l'arrivée de Voyager, Neptune et Triton n'étaient pas alignés. Il y en avait une ici et une en bas. Que faire? Il y avait une solution. C'était de survoler le pôle Nord, très près de Neptune, pour infléchir la trajectoire du vaisseau en direction de Triton. Mais ça voulait dire s'approcher à seulement quelques milliers de kilomètres de la couche nuageuse jusqu'à l'effleurer. Et il fallait trouver le point exact. Notre crainte, c'était de ne pas connaître assez bien l'atmosphère de Neptune. On n'était pas sûr que le vaisseau n'allait pas chuter. Il pouvait aussi y avoir des particules dans les arcs. On risquait de pénétrer dans un nuage d'éclat de matière. Et là, ce serait la fin. La moindre erreur de calcul et au lieu d'effleurer le dessus des nuages, on traverse la couche et le vaisseau prend feu. Une petite erreur dans l'autre sens et on passe trop loin. La trajectoire n'est pas assez descendante et on percute Triton et c'est la fin de la mission. Et on n'a pas le temps de tergiverser, il faut appuyer sur le bouton. Ça aurait été fascinant d'être dans ce vaisseau pendant qu'il passait tout près de ces nuages magnifiques. Et tout d'un coup, alors qu'il survolait le pôle de Neptune, de voir s'élever la grosse lune, Triton. Après un voyage de plusieurs milliards de kilomètres, se retrouver à quelques kilomètres seulement de là où on voulait aller, c'est vraiment remarquable. En plein dans le mille. L'hémisphère sud de Triton est entièrement recouvert de glace d'azote. En le survolant, on a pu repérer des traces à la surface de la calotte polaire. On cherchait à assembler un puzzle représentant la surface de Triton. Mais certaines pièces ne s'alignaient pas très bien. C'était le cas de deux traînées sombres en particulier. Larry se grattait la tête. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est un spécialiste mondial des planètes et des lunes et il ne comprenait pas. Je me suis dit, passons-les dans un stéréoscope, un verre rouge et un verre bleu. Et là, les images, en se superposant, ont montré des formes en trois dimensions. C'était des geysers. Je me suis dit, mince alors, on avait la réponse. Des panaches, des geysers noirs qui crachaient quelque chose. Des jets immenses, à des kilomètres de la surface. On voyait des éruptions dans un environnement qui aurait dû être glacé, éteint. C'était le dernier endroit où on aurait pu imaginer des éruptions, sur ce satellite si éloigné du Soleil. On est à 37 degrés au-dessous du zéro absolu. Il y a donc des geysers, sous influence solaire,
alors qu'on est à 30 unités astronomiques du Soleil. Qui l'eût cru? On savait que c'était la dernière planète que Voyager allait explorer. Et donc, le temps qu'on passait ensemble, en équipe, où on observait les images, où on en discutait, où on se côtoyait, ce temps-là en était encore plus précieux. Un jour, je passe devant le bureau de la secrétaire qui me dit « Candy, il y a un journaliste qui veut te voir ». Et il me dit « Le compte à rebours est en train de passer des moins au plus ». Voyager est en train de quitter Neptune. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Et là, j'ai fondu en larmes. Après ce dernier survol, Voyager nous a montré ce magnifique croissant, Neptune et Triton. Et là, on a tous compris que c'était la fin de la partie planétaire de cette aventure. C'était la dernière escale. La dernière chose à voir dans notre système solaire était derrière nous. On venait de passer de la mission planétaire à la mission interstellaire de Voyager. De toutes ces images, c'était la plus émouvante parce que c'était une image d'adieu. Voyager's farewell to us, and it's our farewell to you. The way I looked at it was, je me suis dit, on a vraiment accompli quelque chose de génial. Une mission plus que réussie. On était un peu triste. On avait mis beaucoup d'énergie dans cette mission. There was a lot of energy put into this mission. Des années d'efforts intenses. C'était la fin d'un voyage sentimental. On a réussi. Mission accomplie. C'est important. On a fait une grosse fête au labo. Le pot de départ de Voyager. Chuck Berry est monté sur les marches de notre bâtiment administratif pour chanter Johnny B. Goode en faisant le duck walk. Chuck Berry était présent à cette grande fête et il a chanté Johnny B. Goode. La star de la soirée, Chuck Berry, est sorti de derrière le bâtiment 180 et il a joué Johnny B. Goode. On s'est tous mis à danser. C'était merveilleux. Ed Stone dansait aussi. Ça valait le coup d'œil. Tout le monde dansait. Un vrai moment de rock pour souhaiter bonne route à Voyager. Pendant ce temps, Voyager 1 poursuivait sa route de plus en plus loin de nous. Certaines personnes de l'équipe, dont Carl Sagan, ont eu une idée avant d'éteindre les caméras. Et si on les tournait vers le Soleil pour prendre une photo de notre système solaire tel qu'on ne l'a encore jamais vu? Mais tout le monde n'était pas d'accord. Ils ne voulaient pas le faire. Ils ne voyaient pas l'intérêt de prendre une photo de la Terre, de Jupiter et de tout le reste, où on ne verrait que des points lumineux minuscules. Têtu comme il est, Carl est remonté jusqu'à l'administrateur de la NASA et il lui a demandé de mandater le laboratoire pour prendre cette série de clichés. Aucun objectif scientifique. Zéro. Les gens prennent des photos de notre planète depuis aussi longtemps que le programme spatial existe. Mais personne n'en avait jamais fait une comme ça. C'est le jour de la Saint-Valentin 1990 qu'ils ont fait ce très beau portrait de famille. On a fait le portrait de chacune des planètes et j'étais la première à les regarder.
Je connaissais les moindres taches, les moindres imperfections. Mais après inspection, je me suis dit, mais où est la Terre? Comment a-t-on pu? Il y avait beaucoup de traînées lumineuses sur cette photo, et j'ai fini par repérer que la Terre était dans l'un de ces raies de lumière. Je suis restée un long moment assise à regarder. C'est fou, la Terre est là, la Terre, vue par Voyager. Quand j'ai été remise de mes émotions, j'ai commencé à passer des coups de fil. J'ai appelé Brad. Brad, c'est bon, on l'a. J'ai appelé Carl. J'ai appelé mon père. And so this is a different kind of milestone than the scientific milestones we've had, one that is really symbolic. I'm an imaging scientist, so en tant qu'ingénieur en imagerie scientifique, j'ai commencé par me dire dommage, ça n'a pas donné ce qu'on espérait. J'ai eu le réflexe d'essuyer l'image pour enlever la poussière parce qu'il y en avait pas mal. L'un des grains de poussière que j'essayais d'enlever, c'était la Terre. Mais ce n'était pas grave parce que dans le regard de Carl, c'est devenu une allégorie de la condition humaine. And the next slide. The Earth in a sunbeam. In this color picture, you can see that it is in fact less than a pixel. And this is where we live, on a blue dot. On that blue dot, that's where everyone you know, and everyone you ever heard of, and every human being who ever lived, lived out their lives. I think this perspective underscores our responsibility to preserve and cherish that blue dot, the only home we have. Mon père parle de cette petite tache dans la vaste nuit cosmique. Il dit qu'on fait partie d'un grand tout, mais aussi qu'on est seul. À un moment, il dit même qu'aucune aide ne nous viendra de l'extérieur pour nous sauver de nous-mêmes, et que c'est à nous de le faire. Après Neptune, le programme a continué, mais d'une façon très différente. Les sondes n'avaient plus de rendez-vous prévu, elles avançaient tout droit vers l'espace interstellaire, dont personne ne savait vraiment où il commençait. À l'époque où on a conçu Voyager, on ne connaissait pas les frontières de l'espace interstellaire. Il fallait alors qu'on s'occupe de cette deuxième mission. Est-ce qu'on va booster le vaisseau pour lui permettre de sortir de notre système solaire et d'aller explorer le reste de la galaxie? Mais on ne savait pas si c'était encore loin. Encore un monde inconnu. Goldstone, Voyager Ace. Voyager Ace, Goldstone. Please turn command modulation on at 1800. Goldstone copies 1800 for command line. That is On sait que le Soleil a une influence gravitationnelle qui s'étend jusqu'à la moitié de la distance qui le sépare de l'étoile la plus proche. Une fois que Voyager sera sorti de cette influence, il mettra encore des dizaines de milliers d'années pour arriver aux confins du système solaire. Mais le champ magnétique du Soleil ne va pas aussi loin, c'est une sorte de bulle. Et où laisse-t-il place à la galaxie ? Voyager a continué sa route sur plusieurs années sans qu'on puisse détecter le milieu interstellaire. À la fin des années 1990, on n'avait toujours pas trouvé les limites de la bulle. À la fin des années 2000 non plus. Et puis enfin, en 2012, sur Voyager 1, qui est le plus rapide et donc le plus éloigné,
on a commencé à voir de drôles de manifestations sur nos écrans. Le champ magnétique du Soleil était en train de changer de direction. Les particules emprisonnées n'étaient plus les mêmes. On voyait de drôles de pics. Puis tout est redevenu normal. Et puis un beau jour, abracadabra, en août 2012, tout a changé. On est sorti de la bulle. Voyager 1 a quitté notre système solaire. C'était le premier objet construit par l'homme à se retrouver dans l'espace interstellaire. Major historic announcement by NASA just a short time ago, confirming the Voyager spacecraft, Voyager as in the thing that launched way back in 1977, exploring the moons, exploring the planets. Well, it has entered interstellar space. NASA says that Voyager 1 has become the first man-made object to reach interstellar space, the cold, dark region between stars. And we've slipped the outermost grasp of our solar system with Voyager 1, the first human-made object to venture into interstellar space. C'est une sacrée réussite. Quand on y pense, c'est historique. Notre premier pas en dehors de notre bulle, cette bulle qui entoure toutes les planètes et la Terre en particulier depuis toujours. Et soudain, ce petit objet construit par nous a quitté la bulle et se retrouve dans l'espace qui sépare les étoiles. J'ai adoré ce moment. C'était comme si l'humanité tout entière était arrivée dans l'espace interstellaire, comme si Voyager avait transporté un peu de nous dans la galaxie. C'est ce petit engin, ce petit vaisseau spatial qui continue sa route. Personne ne sait vraiment comment, mais tout le monde est avec lui. Il n'y aura plus jamais de mission de ce type. C'était la première et la dernière. Les deux vaisseaux sont rarement loin de mes pensées. Il y a toujours un petit morceau de moi qui se demande où il se trouve ce soir. Chaque fois que j'observe les étoiles, je regarde dans leur direction. Nous appartenons à la génération qui a réussi à envoyer un objet dans l'espace. Un objet qui va non seulement nous survivre, mais survivre à notre étoile. Dans 4 milliards d'années, quand notre Soleil se transformera en une géante rouge, Voyager continuera son bonhomme de chemin au milieu des étoiles, avec les musiques de notre génération. Chuck Berry sera dans les étoiles. Quand les sondes ne seront plus alimentées en courant et qu'elles ne pourront plus envoyer d'informations utiles, c'est là que le disque doré prendra tout son sens. Quand tout se sera éteint, ces deux disques seront toujours quelque part dans l'espace interstellaire pour remplir la dernière partie de la mission. Je pense que le message, c'est le vaisseau lui-même, le vaisseau et sa technologie. Les générateurs à radioisotopes, le système de communication, tous les instruments de mesure, tout ça est porteur d'un message qui dit « les gens qui ont construit tout ça savaient ce qu'ils faisaient ». Est-ce que l'univers ou le système solaire ont changé pour autant ? Non. Mais nous, avons-nous changé ? Et comment ? La fièvre des découvertes. Atteindre l'héliopause, réaliser le grand tour. Notre bébé est un champion. Voyager 1 et Voyager 2 vont être en orbite autour du centre de la Voie lactée avec toutes les étoiles. Tous les 250 millions d'années environ, ils accompliront un tour complet. Il n'y a pas de vent, pas d'eau, pas d'intempéries, pas de planètes qu'elles risquent de percuter, pas de ceinture d'astéroïdes ni de comètes. Et sur des milliers, des millions, des milliards d'années, les vaisseaux devraient rester intacts. Pour l'instant, le Soleil est encore l'étoile la plus brillante dans le ciel de Voyager, mais pas de beaucoup. Puis son intensité va diminuer. Il ne brillera pas plus que les autres étoiles de la galaxie. Et au bout d'un temps infini, une autre étoile s'approchera, plus brillante. Puis, elle aussi s'assombrira. C'est un peu comme si on se trouvait sur un canot de sauvetage dans l'Atlantique la nuit. On verra peut-être un navire passer au loin ou pas.
C'est ça l'avenir de Voyager, pour les milliards d'années à venir. Toutes les tragédies humaines, toutes les inquiétudes qui nous agitent seront oubliées depuis longtemps. Notre existence en tant qu'espèce, nos grandes victoires, les choses qui nous semblent les plus importantes, tout ça sera oublié. Et l'univers s'en moque. Mais il est possible qu'au moins un objet créé par nous soit encore là, quelque part. Et qui sait, peut-être qu'un jour, selon une probabilité infinitésimale, un autre être vivant le trouvera et apprendra que nous avons existé. C'est hautement improbable sans être impossible. Et c'est cette chance infime qui nourrit notre espoir. Nous allons recevoir des signaux de Voyager aussi longtemps que ce sera possible. Mais il y aura un jour où nos antennes ne capteront plus rien. Ce jour-là, nous arrêterons les communications avec Voyager. Et ce sera très triste. Quel que soit le nombre d'années qu'aura duré la mission, 45, 50 ou 55 ans, ce sera très, très triste. Ce sera le silence, sans qu'on ait pu se dire au revoir. Si un extraterrestre entendait ma voix et que j'étais encore là pour l'apprendre, je serais aux anges. Je sauterais de joie. Comment vous dites ? Elle. Elle ? Oui, la sonde. Non, je sais que c'est la mode, mais je trouve ça trop anthropomorphique. Les machines n'aiment pas être comparées aux hommes ou aux femmes. J'ai toujours rêvé de faire ça. Prêt ? Séquence 23, 7e. Voyager. J'adore.